Today, nous avons l'immense honneur de recevoir la présidente nationale de la Jeune Chambre du Liban. J'appelle à me rejoindre Rania Haddad, s'il vous plaît. Rania? Yes? Dear JCI, Lebanon President, welcome. Thank you. Rania, please, can you tell us about the history of JCI Lebanon? Rania, s'il te plaît, peux-tu nous dire quelques mots sur l'histoire de la Jeune Chambre du Liban? Okay. To start with, I apologize for having to speak in English because I do not know French, and thank you for conducting the interview in English. And before answering your question, I would like to admit that I am very highly impressed with the organization of this convention. So congratulations to all the COC and the director for such an outstanding job. And thank you, especially, and National President Guillaume, for facilitating my trip and all the preparations to attend this convention. You not only treated me as a national president, but as an aristocratic princess. Thank you very much. Avez-vous besoin d'une traduction? D'accord. Alors, Rania est désolée de ne pouvoir parler en... s'exprimer en français, donc elle vous demande de bien vouloir la pardonner. Rania commence par présenter ses plus vives félicitations au comité d'organisation pour la qualité des travaux, la qualité de l'organisation. Elle a été assez impressionnée par la qualité des ateliers hier et toute l'organisation aujourd'hui. Et elle tient particulièrement à remercier le président Guillaume Banel pour avoir facilité son accueil et pour la recevoir comme une membre élue présidente de Jeune Chambre et non pas comme une aristocrate. And now to get back to our question, JCI Lebanon is a very young national organization. It is around 5 years old. We are around 220 members. They're distributed over two local organizations, one in Beirut, which is our capital city, and another one in North Lebanon, which is in Tripoli. Donc la Jeune Chambre du Liban est une jeune chambre relativement jeune qui a 3 ans... 5 ans d'existence, qui est composé de deux jeunes chambres locales, à Beyrouth pour l'une et l'autre à Tripoli. Yes, and... Et oui, qui est composé de 220 membres, pardon. Okay, and although we are very young, we have been doing many good achievements ever since we started. For instance, in the year 2006, we won 2 awards in our area conference. In 2007, we won another 2 awards and hosted the Africa and Middle East Development Council in Beirut, our capital city. In 2008, we had an international vice president from JCI Lebanon, Rami Marzoub, who was assigned to Europe, to 7 countries in Europe. And in 2009, during our area conference in Côte d'Ivoire, I will tell you about a very nice memory that I had over there. We won 3 awards this time. One is best publication for our newsletter, which is available with our Vice President for International Relations, Salim, if anyone is interested. And another one was the best CSR project for one of our projects, as well as the best youth local youth award. And in addition to that, we nominated our 2009 AMDEC chairman, Rami Marzoub, for the position of 2010 executive vice president. Alors, la Jeune Chambre du Liban est très impliquée depuis sa création dans les programmes JCI. Et GLAN et
et c'est peut-être un héritage français, hein, après tout, ce sont nos jumeaux, gagnent chaque année en moyenne deux récompenses lors des conférences de Zone Afrique. Cette année, Rania a eu la chance de recevoir, la jeune chambre du Liban a eu la chance de recevoir 3 awards lors de la conférence de Zone A à Yamoussoukro. Un membre particulièrement investi que nous connaissons bien en France, Rami, qui a déjà été JCI Vice President, qui était cette année chairman, donc président de du comité de développement de la zone Afrique, connaît donc une candidature officielle pour être l'an prochain vice-président exécutif pour la zone Afrique. Okay, and to finalize my answer for this question, we have around 8 senators, several different trainers, and we have 4 training agreements, one with JCI Lebanon and JCI France, another one between Beirut and Damascus, and 2 between Tripoli and 2 local organizations in JCI Tunisia. Thank you. Okay. Donc le... 8 senators. Oui, 8 sénateurs, voilà, 8 sénateurs en... au Liban, des formateurs également. Et, several trainers. Oui, 7 formateurs officiels et des jumelages qui sont en cours, des jumelages locaux, des jeunes chambres de Tripoli et de Beyrouth avec la Tunisie et... Damascus, en Syrie. En Syrie, voilà. Damascus, en Syrie. Second question. As a national president, what is your main emphasis? This year? Yes, we are working on applying the strategic planning committee recommendations that JCI implemented ever since last year, the SPC recommendations. And we are working on enhancing our branding. For instance, our creative partner came up with a screensaver for JCI Lebanon, which is available on our website, as well as 12 wallpapers, for one for each month this year, in addition to a very nice animation we will be showing at the end of this interview. Also, we are concentrating on opening 2 new LOMs in 2 universities in Lebanon. And that's it, maybe. And also working on implementing several JCI programs. For instance, we had a nominee from Lebanon for the TOIP. During the coming weekend, we are conducting a debating competition as well as other programs in JCI. Okay. La question en français était quels sont tes principaux objectifs pour cette année. Et la réponse que Rania a formulée est tout d'abord d'appliquer les recommandations du comité de planification stratégique de JCI, puisque vous n'êtes pas sans savoir que notamment la mission et la vision ont été changées lors du congrès mondial à New Delhi. Donc l'un des premiers objectifs était de se remettre dans les recommandations du SPC. Oui, l'ouverture de 2 nouvelles jeunes chambres au Liban, dans les universités, grâce à l'université et... Working on more JCI programs, like oui. Et ensuite, donc, développer les programmes JCI, comme le TOIP, puisque le Liban aura un candidat TOIP. Debating competition et next également, weekend. Voilà, une compétition de joute de débat, comme nous les aimons tant en France lorsque nous allons aussi à l'international, n'est-ce pas, Mr. Chairman, Jocelyn Loret. Une compétition de joute de débat qui aura lieu la semaine prochaine.